Yop tout le monde, c'est Niski pour une nouvelle vidéo, et comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous mettre un tuto sur la chaîne. Oui, parce qu'en fait, il y en a quelques-uns qui ne sauront pas comment faire, et je pense que cette vidéo sera vraiment nécessaire pour m'éviter de me répéter, que ce soit en live et tchik et tchak. Niski, comment t'as fait ça? Comment tu fais ça? Donc voilà, j'ai décidé d'instaurer un tuto. C'est comme ça que ça se passe pour le Winter Mode, donc... Enfin, l'année passée en tout cas. J'espère que ça sera pareil pour la Pro Mode. Normalement, il n'y a pas de changement. Donc, voilà. Donc, c'est un tuto pour incorporer la Pro Mode ou donc le Winter Mode qui va aussi débarquer sur le Trunker MP. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce tuto vous a plu. Partagez l'astuce avec vos amis qui sont en difficulté aussi. Je tiens à préciser qu'il y a un autre tuto à vous de chercher. Vous allez dans l'onglet playlist et vous allez dans les tutos de Niski. Et voilà. Donc ici, je vous invite donc à aller dans votre donc, explorateur de fichiers, d'ouvrir vos documents. Donc vous ouvrez cette fenêtre, vous allez dans vos documents. Ensuite, vous allez chercher ETS2MP. Donc je tiens à souligner, c'est celui-ci. Pas Eurotruck, hein, c'est ETS2MP. Quand c'est ETS2MP et... ouvert, vous allez pouvoir voir log. Vous n'aurez pas le dossier mode. Donc dans ce cas-là, vous allez faire clic droit, nouveau, dossier, et vous allez écrire mode comme moi je l'ai orthographié. Donc pas de majuscule, et alors vous l'ouvrez, et vous allez voir dossier vite. Dans ce dossier vite, vous allez donc sur le site de la promote, et vous téléchargez tous les fichiers de la promote. Donc pour la version lente, il y aura 7 fichiers au total. Donc je vous invite à prendre vos précautions. Elle est disponible, comme vous pouvez le voir, moi j'ai la 2.42, donc c'est celle qui sera disponible pour le multi. Elle est disponible, à vous d'aller sur le site de la Promode et d'aller la télécharger. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc vous aurez ça, vous n'allez pas les avoir. Voilà, ça vous n'aurez pas. Donc vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous allez avoir tous ces fichiers avec celui qui est ici et qui est toujours compressé. Donc en fait, celui qui est compressé, je vais le faire en même temps que vous, comme ça au moins vous verrez plus clair. Hop, moi je les supprime. Voilà, vous aurez ça. Et donc quand vous aurez ça, vous allez devoir prendre ce fichier, ouvrir et extraire. Voilà. Non, pas, merde, c'est pas celui-là. C'est extraire ici. Bon, mais il veut pas à mon avis parce que je les ai déjà extraits. Vous devez donc extraire ce fichier. Ce fichier, vous devez l'extraire. Et ensuite, vous devrez prendre donc tous les fichiers. Ah ben non, ils sont là en fait, Attendez, je n'ai pas supprimé les bons. Je fais une ellipse, je reviens. Donc re tout le monde, voilà. Donc quand vous aurez donc tout ça, en fait c'est pas les fichiers, c'est les modèles en fait. Donc les devs, donc vous aurez pas tout ça en fait. Hop, hop, et hop. Donc ça vous les aurez pas. Les assets, la map, le média, le modèle 1, 2, 3 et le Redmi. Donc vous devrez donc ouvrir... et extraire, extraire fichier, donc extraire ici ou extraire là. Vous faites ça, et ensuite, quand tout ça est fait, donc ça vous pouvez l'enlever, il n'y a pas besoin, hop, voilà. Quand tout ça est fait, vous prenez tout, copiez, et vous collez ici. Voilà. Quand tout ça sera fait, les amis, ben, vous lancerez donc le multijoueur. Et ça sera open. Normalement, il y aura un serveur dédié donc à la promode simulation. Donc, ça sera une simulation sur la promode, bien sûr. Et puis voilà. Donc, la 1.36 est là, je le rappelle. N'hésitez donc pas à la tester si vous avez un profil. Sinon, je vous recommande de la tester. Il y a plein de nouveautés. Le DX9, on lui dit au revoir. On dit bonjour au DX11. À vous de faire votre taf. À vous d'aller chercher le téléchargement. Je vous ai montré comment ça se passe. Je vous ai expliqué comment ça se passe aussi avec le dossier mode de TS2MP. A savoir que si vous avez d'autres modes que la Pro Mode, vous serez kick. Hein. Je pense qu'on sera kick si vous avez d'autres modes. Il n'y a aucun autre mode qui peut être ajouté à TS2MP. Seul le Winter Mode et la Pro Mode seront acceptés sur le jeu. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas, à partager l'info avec vos amis. Et surtout, ben, n'hésitez pas à me suggérer d'autres tutos si vous en avez besoin. On est là pour ça. Je suis là aussi pour vous aider si vous en avez besoin. Moi, je vous dis
Ciao, ciao, et à la prochaine pour d'autres vidéos. Quand je dis pouce, vous dites bleu.